Ma femme, elle est de Marseille. Donc, pour habiller mon fils les soirs de match, c'est compliqué. Paris Saint-Germain. En tant que Parisien, c'est mon club de cœur. Après, je dois avouer que quand j'étais petit, j'étais fan de l'OM parce que j'avais mon cousin qui jouait à l'OM à l'époque. Et après, j'étais jeune, j'étais perdu. Il fallait que je me trouve. Moi, je chipote pas, moi, c'est grosse frappe dans la lucarne, voilà. Si j'arrive à attraper la lucarne, mais je suis pas là à chipoter, passement de jambes, non. Parc des Princes. Bon, j'ai eu l'occasion de jouer à Gerland, même avant de jouer pour le Loup, en demi-finale. C'était un mauvais souvenir, on avait perdu. Et malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de jouer au Parc des Princes, mais tous les anciens joueurs m'ont dit que là-bas, c'était une ambiance assez particulière. Gerland, ouais, c'est un super stade, mais voilà, mon côté supporter, il passe avant, ouais. Seul parce que je suis quand même assez mauvais perdant, et comme j'ai des amis assez chambreurs, s'ils supportent l'équipe adverse, ça va me saouler. Je préfère regarder seul un match que perdre un ami. Taribo West, quand il était à Auxerre. C'est vrai que c'était coloré, c'était pas mal. Ouais. But de Ronaldinho au Vélodrome. D'ailleurs, je sais pas s'il est accordé à Ronaldinho ou à Jérôme Leroy, je crois, qui tacle au dernier moment. Où Ronaldinho il part, il prend le ballon et il va marquer tout seul. Giroud, je pense que c'est le plus marquant. Et après, Roland Courbis. J'ai toujours aimé l'homme. Rien ne vaut un déplacement ou un gros match dans une tribune populaire. Pas dans le bon sens, mais Apoula Edel, qui était gardien au PSG, et il m'a fait casser quelques fois certaines de mes télés. Ouais. C'est Saint-Étienne-Lyon. Alors, je savais qu'il y avait une grosse rivalité, mais c'est maintenant que depuis que je suis à Lyon, c'est assez fort quand même. Bah, il faut pas mettre de chaussures vertes, ça me semble... C'est vrai que c'est chaud, ouais. Cyril Roll. Et fallait pas trop le croiser, je pense. Fallait pas trop l'énerver sur le terrain, mais ouais, ils s'envoyaient terrible quand même. Après tant d'années de galères et de combats, oh pour toi Paris, on va se casser la voix. Je l'aime beaucoup celui-là. Wissam Ben Yedder, j'aime beaucoup cet attaquant à Monaco. Même quand il était à Séville avant à Toulouse, j'aimais beaucoup. Je trouve qu'il est efficace. Dans les 18 mètres, il est imbattable. Si je reste objectif, mais je ne le suis pas, je ne le serai pas. Marseille, c'est quand même, voilà, au niveau palmarès, c'est le plus grand club. Mais je vais dire Paris quand même. Parce que ça me fait mal de le reconnaître.